Justice, le comédien qui jouait le rôle de Tonko dans Pattaya a été placé en détention ce jeudi. Il est soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement et la séquestration d'un mineur de 17 ans. C'est un scénario digne d'un mauvais film. Le comédien Saïd Bogota, qui incarnait Tonko dans le film Pattaya de Franck Gaston Bide, a été placé en garde à vue ce lundi 17 décembre par la gendarmerie de l'Essonne, 91, a-t-on appris de sources judiciaires. Placé en détention ce jeudi, il est mis en examen pour tentative de meurtre, enlèvement et séquestration, nous indique le parquet des ouvriers. D'après les premières informations recueillies par Closer, qui a révélé cette affaire, Saïd Bogota, que l'on a également vu dans Taxi 5, est soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement et la séquestration d'un mineur de 17 ans pour une affaire de cœur. Il aurait voulu donner une leçon à la victime, dont la petite amie serait son ancienne fiancée selon Le Point. Le jeune homme aurait été enlevé puis séquestré pendant 3 heures dans une cave dans un département de l'Essonne, où il aurait été aspergé d'essence et brûlé. La victime a été placée dans un coma artificiel. Selon nos informations, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée chez un riverain, qui a appelé les secours et les services de gendarmerie. Plongé dans un coma artificiel, le jeune homme a été transféré à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ses jours ne sont plus en danger. Quant aux agresseurs, ils auraient expliqué aux gendarmes avoir été engagés par Saïd Bogota,